Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Project Pan rotation make-up. C'est par ici, c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc comme à chaque fois je commence la vidéo, avec une connerie. Avec ce que c'est que les rotations make-up et Project Pan, pour la simple et bonne raison, parce qu'il y a des nouveaux, il y en a quand même pas mal depuis ma dernière rotation. Et il y a les anciens, hein, mais les nouveaux, voilà, ne savent peut-être pas ce que c'est. Donc la rotation... Alors, petit aparté pour ceux qui atterrissent sur la chaîne. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de fourches avec sa langue et qui ne sait pas parler. Tout simplement. C'est moi, c'est ma personnalité, c'est comme ça. Bref, je reviens. La rotation make-up, c'est tout simplement faire tourner son make-up. Donc vous prenez, vous essayez pendant un laps de temps que vous, vous décidez. Moi, je prends un mois. En temps ordinaire, sur la YouTube sphère, c'est sur un mois les Project Pan, les rotations make-up. Et ensuite, le Project Pan, c'est le fait de prendre un produit, de vouloir voir le fond ou de le terminer, l'un ou l'autre, en autant de temps, ou voilà. Ça, c'est vous qui choisissez toujours le temps que vous voulez mettre à finir ou pas vos produits, tout simplement. Mais voilà, Project Pan, c'est le fait de vouloir creuser ces produits et les finir. J'espère que c'est clair. J'espère bien. Bref, je commence. Donc, je vous redis un petit peu, le mois dernier, il n'y a pas eu de Project Pan parce que au mois de février, j'ai déménagé, j'ai été très occupée, je ne me suis vraiment pas du tout maquillée. Peut-être une ou deux fois dans le mois, donc il était inutile que je fasse un update de ma rotation Project Pan du mois de février. Du coup, on est toujours avec celle-ci. Et si vous voulez, je vous la mettrai en petit i, si j'y repense. Ça, c'est un de mes gros problèmes, les petits i. Et du coup, oui. Un miroir. De rien. Elle brosse ses dents. Et du coup, je l'ai gardé pour le mois de mars. Je me suis plus maquillée au mois de mars. Et là, on y va, c'est parti. Mon kiki. Je vais commencer par tout ce qui est teint. Tout ce que j'ai mis sur mon teint. Et on va en parler un tout petit peu quand même. Donc, je viens juste de regarder un petit peu. J'ai quand même pas mal de produits. Hein. Prenez un café. En base, alors, j'ai des bases. Il y a pas mal. Il y en a. J'ai utilisé, j'ai fini la Kiko Milano, la Beyond Limits On The Go Primer. Donc, c'est celle-ci. C'est une base siliconée pour flouter les pores. Donc, si je le voulais, je pourrais gratter l'intérieur. Regardez, hop, je pourrais gratter l'intérieur pour essayer de choper le reste du produit. Mais voilà, c'est tout. Je suis arrivée à la fin. Hein. Je ne sais plus le mettre comme ça. J'arrête. Et puis même, j'en avais marre. Il floutait très bien les pores, mais il ne devait pas convenir à ma peau. Il peluchait en fait. Donc ça, je ne le rachèterai pas parce que je pense qu'il ne devait pas convenir à ma peau. Il faisait des peluches après quand je le maquillais. C'était pas très agréable. Donc non, ça, je ne le rachèterai pas. Ensuite, toujours en base, dans le même style, c'est la Pore Minimizer de la marque Petite Maison que je ne connais pas du tout. J'ai trouvé ça en Espagne lors de mes vacances l'année dernière. Je l'ai utilisé une fois, donc je ne peux pas dire si c'est un bon produit ou pas pour moi. Hein. À chaque fois que vous donnerez mon avis, ce sera pour ma peau à moi. Ça n'a rien à voir avec les peaux des autres personnes. Chacun est différent, la peau de chacun est différente. Certains ont de texture, d'autres non. Certains ont la peau déshydratée, d'autres non. Peau normale, mixte, grasse, acnéique. Voilà, chacun est différent et chacun a des besoins différents. Voilà, c'est tout. Mais bon, je ne saurais pas vous dire si sur moi elle a eu un effet, si elle foutait bien les pores ou pas. Je l'ai utilisé qu'une seule fois. Sky, mon trépied s'il te plaît. Donc voilà, on en reparlera certainement le mois prochain. Donc celle-ci, ça fait partie du Project Pan. Celle de I Heart Revolution, la Coconut Dream, hydratante avec de la vitamine C et E. Écoutez, celle-ci, je l'aime bien. Je l'aime même très bien. Elle vient du site Makeup Revolution ou Revolution Beauty. Elle sent bon, la texture est légère. Elle n'est pas trop siliconée, elle ne floute pas trop les pores. Elle est hydratante. Excusez-moi, je dois répondre au téléphone. Normalement, ça tourne. Ça fait trois fois qu'il me l'a fait à l'envers, ce téléphone. Il s'arrête. Je parle et il s'arrête. C'est quoi ce bordel? Du coup, que je parle, j'ai soif. Et du coup, je reviens à ce que je vous disais.
L'air de rien, ça fait quand même 4 fois que je vous parle et que je crois que je filme et qu'il m'arrête en plein milieu. Sorry. Je vais le ramener en réparation de toute façon. Donc nous revenons pour le... Je sais même plus combien de fois que j'en parle de ce produit là dans cette vidéo que vous, vous aurez vu une fois. La Coco Dream de chez I Heart Revolution. Pour moi, elle fait très bien son job. Franchement, c'est une tuerie. Enfin, une tuerie. Ne nous emballons point. Il y en a des beaucoup mieux que ça. Hein. Il y en a, oui, des bien meilleurs que ça même. Mais bon, elle a un bon prix. Son prix est très abordable. L'odeur, elle sent super bon pour moi, la noix de coco. Moi, j'aime bien l'odeur de coco. Attendez. Oui, c'est l'odeur de coco. On sait jamais, hein, on sait jamais. Elle sent bon, elle a bien son effet hydratant, je le sais, j'en ai fait l'expérience, j'avais une routine soin qui ne me convenait pas, et quand je maquillais et que je mettais ça en base, je sentais la différence. Je sentais vraiment la différence, je vais la racheter, et je pense même que je vais acheter, il y en a dans d'autres sortes, il y en a à la pêche, il y en a une à la fraise, et bien sûr elles ont des... Attendez parce que je crois que je vais faire un meurtre d'enfant. C'est bon, ils sont pas morts, je vous rassure. Vous allez toujours les entendre dans les vlogs et dans les prochaines vidéos. Donc je vous disais, ils en font à la pêche, à la fraise et tout ça, mais avec des... Comment on dit? Pas des catégories, mais des fonctions différentes. À voir, à lire, voir ce qui puisse, ce qui pourrait me convenir. Et, mais je rachèterai sans problème, franchement sans problème. J'ai super bien aimé, c'est pas très français. Maintenant, on va parler de deux fonds de teint. Est-ce qu'il continue? Ça va, il continue. Le CC Perfecting Foundation de chez Révolution Pro, celui-ci, en teinte F6.5 et le Pro Fighter de chez Fenty Beauty en teinte 200. Je suis arrivée presque... je suis au-dessus du T, en fait. Juste à la barre ici du T, là. Et lui, ben, vous le voyez, hein, j'en suis là. Celui-ci est un peu trop foncé. En fait, c'est mon tout premier fond de teint que j'ai acheté chez Sephora. Voilà. Quand j'ai commencé à bien m'intéresser au make-up. Et du coup, je ne savais rien des sous-tons. Et la personne qui m'a aidée, elle commençait seulement son stage. Et du coup, elle a eu du mal à trouver mon sous-ton. C'est pas grave, hein, ça, c'est comme ça. Je le mixe avec ça. Et il y a un tout petit peu trop foncé aussi. Du coup, je mixe avec ça. Ça va, ça me fait quand même un teint pas trop mal qui correspond à peu près à mon teint. J'essaye de faire au mieux. Je suis pas une pro, hein. Lui quand il sera fini, lui je pense pas que je le réutiliserai, tout dépend de la quantité qu'il y a dedans, mais j'aime pas en fait son fini, lui j'adore son fini malgré qu'il est mat et que moi j'aime bien le lumineux, j'aime bien son fini sur ma peau, je trouve qu'il me fait un beau rendu, mais lui j'aime pas trop son fini, je trouve qu'il accroche pas bien au niveau de ma zone T, et puis même que mes pores sont encore plus apparents quand je le mets, je ne sais pas, il y a un petit souci avec celui-ci. J'aimerais bien quand même essayer une teinte au-dessus parce que du coup, est-ce que je suis aussi influencée du fait que la teinte ne me convienne pas et que du coup, je cherche la petite bébête? Je pense pas. Mais ou alors, est-ce que du coup, sa qualité est altérée parce qu'elle ne convient pas avec celle-ci? Sur ma peau, dans un premier abord, ça se passe bien. Mais est-ce que du coup, les qualités ne sont pas altérées quand on mélange certains fonds de teint? Voilà. Mais bon, tout de suite, non. Je ne le rachèterai pas. Et celui-ci, oui, je le rachèterai. Mais je vais les finir. Ils sont dans mon project pan. Je vais lui demander de remonter parce qu'elle était punie à la base quand même. Si je leur parle anglais, vous pensez qu'ils vont comprendre? Parce qu'ils comprennent pas le français, donc peut-être l'anglais. Hein. Bref. Donc celui-ci, je suis. C'est mon project pan. Voilà. Je l'ai fini. Ensuite, celui-ci que j'adore, la bébé crème de chez Herborian au ginseng. J'ai la teinte claire, elle correspond à ma teinte d'hiver. J'aime bien en mettre même en hiver, même si j'aime bien de temps en temps un petit peu plus couvrant en hiver. Celle-ci, je l'adore, franchement, c'est juste qu'elle est trop claire pour moi les périodes estivales. Donc, je vais la racheter en teinte un peu plus foncée. Je ne sais pas si j'achèterai la dorée ou la caramel, mais je pense que c'est la dorée, la teinte moyenne, là. Film. Ça va être menti, hein. J'ai pas envie encore de tout recommencer une 50e pour un, d'accord. Écoutez, pour moi, elle unifie mon teint sans trop altérer ma carnation. Elle me déshydrate pas la peau. Je trouve cette bébé crème très confortable. Quand elle s'estompe, parce que oui, elle s'en va, hein, je poudre pas tout mon teint, donc moi, ça s'en va assez rapidement, on va dire. Elle s'en va naturellement.
J'ai pas de démarcation. Avec le masque, j'ai pas la trace du masque comme ça. Non, franchement, pour moi, ça c'est une tuerie. J'étais tentée par la CC Water, mais vu les revues que je vois et qu'elle fait un teint orangé chez certaines personnes, je veux pas me tenter à l'acheter même en mini. Si, quand les magasins vont réouvrir, je vais essayer de demander un échantillon parce que c'est pas possible. Enfin, on verra bien. Et enfin, voilà. Moi, celle-ci, j'aime bien. Je la garde encore le temps que je prenne un petit peu plus de couleur. Peut-être que je mettrai celle-ci. De toute façon, ce mois-ci, je mettrai celle-ci si j'ai fini celle-ci. Et puis voilà. Tout simplement. On a fini avec tout ce qui est fond de teint. On va passer au concealer. Alors, j'ai ces deux-ci. Celui-ci de chez Herborian, je l'avais eu avec la bébé crème. Ça, c'est le bébé crayon, en fait. C'est pareil, hein. Mais comment dire? Moi, je trouve qu'il y a une différence de teinte. Il y a un ton plus clair là-dedans que dans la crème. Après, il m'en reste plus grand-chose, hein. Voilà. Il fait bien son job, il hydrate bien mon contour des yeux. Je m'en sers aussi de temps en temps comme base à paupières. Je m'en sers pour éclaircir un petit peu ma zone T, pour camoufler de temps en temps une imperfection quand j'en ressens le besoin. C'est très bien, mais c'est pas mon format favori. Je trouve qu'en bébé... Vérité. Je trouve qu'en crayon, il est un peu trop... Un petit peu trop dur à estomper. Donc, bah, je remouille mon éponge et puis je réestompe, ça passe, hein. Mais je veux dire, si je veux le faire au pinceau, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est facile à travailler, tout simplement. Donc voilà. Ça, je suis susceptible de racheter, mais... Enfin... Oui et non. Voilà. C'est un oui et c'est un non. Par contre, il est dans mon Protect Pan, donc je veux le finir ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci ou le mois prochain. Je pense qu'il y a moyen. Hein. Et ensuite, j'ai fini le concealer de chez Essence, le Camouflage Plus. C'est celui-ci. J'avais la teinte Light Ivory. Il est très bien, mais il n'est pas adapté chez moi. Oui, donc tout ce dont je vous parle, c'est moi, c'est selon mon usage, selon mes besoins, selon ce que moi j'en ressens. Moi, j'ai un contour des yeux déshydraté et sensible. Et celui-ci me piquait les yeux et je trouve qu'il m'a séché aussi mon contour de l'œil. Je l'ai quand même fini parce qu'il a bien fait son job de camouflage. Hein. C'est pas une couvrance extrême parce que si on le travaille, ben, il perd un petit peu de sa couvrance. Mais bon, voilà, c'est un bon produit. Moi, je trouve qu'il devrait le faire en version hydratante et non pas que camouflage plus ou mat. Voilà, moi, parce que celui-là, c'est le mat. Hein. Je ne sais pas s'il existe en hydratant. Enfin bref. Mais bon, sinon, c'est un très bon produit pour un prix vraiment dérisoire. Hein. Il n'est pas cher du tout. Je ne sais plus, mais je crois que j'ai payé moins de 4 euros. Donc, il n'est pas cher. Il fait vraiment bien son temps parce qu'il fait 5 millilitres quand même. Et oui, je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille si vous n'avez pas le même contour des yeux déshydraté et sensible que moi. Ensuite, on va passer à la poudre. En poudre, j'ai, comme vous le savez, là, ou si vous ne savez pas, vous faites bienvenue au nouveau, parce que je vois qu'on est de plus en plus, il y a beaucoup de nouveaux, et ça me fait très plaisir de vous accueillir chez moi. J'espère en tout cas que vous allez bien vous y sentir. Je suis comme je suis. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Découvrez-moi au fur et à mesure de mes vidéos. Bref. J'ai le airbrush. Bronzer, j'allais dire flawless, mais non. Bronzer de chez Charlotte Tilbury, donc c'est celui-ci. La teinte n'est pas bonne, je l'ai acheté suite à une vidéo de Marion Caméléon, mais en fait, je me rends compte que la teinte est beaucoup trop claire, j'ai la teinte numéro 1. Du coup, ce que j'en fais, c'est que je m'en sers en pré-bronzer. Donc, je vous explique, je le mets là où je mets mon bronzer. Et en fait, pour aider à estomper, étant donné que ça fait une poudre, pour aider à estomper, eh ben, c'est très bien. Ou alors, si mon teint est trop clair, je poudre tout mon teint avec celle-ci et elle me fonce légèrement le teint. Donc du coup, elle fait un bon job. Je suis déjà arrivée à un bon endroit. Hein, je la creuse bien, vous pouvez le voir. Pour moi, c'est un bon produit. C'est une poudre très fine qui se comporte bien avec ma peau. Elle se travaille super bien. Très bien. Très constructible et ce que je n'ai toujours pas. Tu vas faire ce que je te demande, oui. Ce dont je n'ai toujours pas regardé, c'est s'il y avait des recharges. Parce que oui, c'est aimanté, ça s'en va. Et ça revient. Et je voudrais savoir, il faudrait que je me renseigne, savoir s'il n'y a pas une recharge pour que je puisse prendre la teinte 2 ou la teinte 3 pour moi plus tard faire mon bronzer. Voilà. Et ça, c'est dans mon Project Pan.
Toujours dans mon Project Pan, la poudre de chez Fenty Beauty. Donc celle-ci, c'est la Profiler poudre fixatrice retouche instantanée. Alors, je pense que c'est une poudre qui doit être matifiante à la base. Mais elle ne me dessèche pas mon teint. Elle ne m'assèche pas. Je n'ai pas de zone, là où je l'applique, je n'ai pas de zone de sécheresse qui apparaissent. J'en mets spécialement sur ma zone I. Parce que moi, c'est une zone I. Hein. C'est pas la T. Elle n'existe pas. Sur mon dessous d'œil, mon dessous d'œil n'est pas déshydraté, elle est imperceptible, elle est très fine, nickel, parfaite, elle sent bon, j'ai la teinte lavandeur, pour moi c'est parfait, franchement, j'avais un petit peu peur de l'utiliser étant donné que les poudres ont tendance à m'assécher un petit peu la peau, et celle-ci pas du tout, franchement, je suis conquise. Écoutez, pour moi c'est une très bonne poudre, j'ai rien à dire, j'avais un peu peur de l'utiliser, mais très bien. Ensuite, on va passer au bronzer que j'ai utilisé. J'en avais sorti un, c'est déjà pas mal. Le Wet n Wild, je pense que c'est la gamme Coloricon en teinte Sunset Striptease. Donc, c'est celui-ci. Je l'ai pas mal creusé. La palme d'un côté commence à s'en aller. C'est un bon bronzer qui se travaille très bien, qui se diffuse bien, il se fond bien la peau. Il ne fait pas d'effet patchy. Bien sûr, ça peut arriver. Hein, on n'est pas à l'abri. Moi, si je mets mon fond de teint, que je ne fais pas attention, oui, ça m'est arrivé de faire des patchs. Mais ça se rattrape super bien. Pour le prix défiant quasiment toute concurrence aussi, c'est un très bon bronzer. Je vous le recommande, c'est un petit prix et un bon petit prix. Voilà. Je suis tentée de racheter une autre teinte parce que celle-ci, elle est... Oh non, ça va, elle n'est pas trop chaude. Pour moi, elle est un petit peu irisée. Elle n'est pas totalement mate, hein, elle est irisée. Si vous voyez d'autres swatchs, c'est normal, c'est... Parce que je vous ai filmé juste avant que ça ne filmait pas. Je ne sais pas si vous allez le voir ici. Mais voilà, je trouve qu'il est un peu irisé. La teinte, je vous dis, elle se travaille super facilement. Aucun problème, je le réutiliserai sans problème. Ensuite, en blush, j'avais sorti deux de chez Tarte. Donc le Harmony, c'est deux petits formats. Le Harmony qui est un mat un peu pêche. Oui, rose pêche, on va dire comme ça. Vous voyez que là, le motif commence à s'estomper. Le Tarte, on commence à presque plus le voir. C'est un bon blush, j'adore. Il se travaille super bien, il se fond bien à la peau. Franchement, c'est une tuerie à travailler, j'adore. Pas trop trop pigmenté, du coup, vous pouvez le travailler. Vous n'avez pas peur de le prélever. Et pareil pour le Frosé qui, lui, est un rose... Un rosé irisé. Alors lui, je l'adore, il est magnifique. Je n'arrive pas par contre à faire enlever les trucs. Pourtant, j'ai utilisé quasiment tous les jours. Ces deux-là, je les ai utilisés pendant tout le mois. Sauf deux, voire trois fois où j'ai utilisé celui de chez Sephora, un crème. Et celui-ci, c'est un blush stick, le blush to go en teinte Miss Buzzy. Donc c'est chez Sephora. Alors, il peut faire peur au premier abord, mais regardez, ça c'est quand il est estompé. Je vais vous le refaire ici. Hop, moi je trouve qu'il se travaille super bien. Vous voyez, il est quand même intense quand vous faites comme ça, mais regardez, quand vous l'estompez, déjà ça s'estompe comme rien. Et voilà, je trouve qu'il fait une super teinte. C'est celui que j'ai aujourd'hui, non? Non, c'est pas celui que j'ai aujourd'hui. Moi je trouve qu'il fait une super teinte. Bon là j'ai un peu tardé, mais... quand il sèche, vous pouvez travailler dessus, il bouge pas. C'est trop beau. Moi j'aime bien, c'est trop beau. Du coup, j'ai envie d'essayer. S'il y a d'autres teintes, j'ai envie d'essayer les autres teintes. S'ils ont fait des bronzers, j'ai envie d'essayer leurs bronzers comme ça aussi. Et pareil pour les highlighters. Voilà. Voilà. Quand j'aime bien, après j'ai plus de limite. Si, l'argent. Mais bon, voilà, pour moi, franchement, moi qui avais peur des produits un peu crème comme ça, de peur que quand on touche la peau, qu'on ait une trace de doigt, qu'on ait juste une tache et tout ça, non, ça me faisait peur et franchement, ça me réconciliait avec les produits crème. Du coup, je vais pouvoir les utiliser, tout simplement. En highlighter, j'avais sorti 3. Alors, j'ai ceci. Ceci, c'est ce que j'avais eu dans la Birchbox. Vous allez me dire, oui, mais c'est une ombre à paupières. Oui, mais je ne l'aime pas en tant qu'ombre à paupières. Et étant donné que c'est du doré, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il est ici. C'est un doré. Ça sèche très vite. Donc, quand je le mets, je le fais avec mon éponge. Je tapote vite fait comme ça. C'est assez discret. Et je le mets aussi en point de lumière. Maintenant, je pense qu'à un moment, je vais m'en lasser et je vais jeter. Voilà. C'est pas
c'est pas mon truc préféré en fait. C'est pas. J'ai pas de plaisir à l'utiliser, tout simplement. J'ai pas ce côté plaisir à l'utiliser. Mais je le garde quand même dans mon Project Pan. Ah oui, ça je vous ai pas dit. Ça, je le ressortirai une prochaine fois. Ça va partir en rangement. Celui-ci, je le garde pour la période estivale. Celui-ci, pour le moment, il reste en Project Pan jusqu'à temps que j'ai envie de le jeter. Ensuite, j'avais sorti cette palette de chez Essence, la Go to Glow. Go for the Glow. C'est la palette 01 de Kohl's. Donc, c'est les teintes froides. Vous avez un bleu, un blanc rosé et un rose. Vous le voyez bien, ouais, c'est bon. J'ai beaucoup utilisé le blanc. Le bleu, il est très joli, il a un super impact. Maintenant, il faut aimer mettre de l'highlighter bleu. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Je mets du vert, du bleu, du orange, du rouge, du n'importe quoi. Et le rosé, c'est une très bonne palette. Je pense qu'elle existe en teinte plus chaude. Oui, c'est pas je pense, c'est que j'en suis sûre. En teinte plus chaude, donc avec plus de neutre dedans. Et franchement, une vraie dinguerie. C'est poudreux, mais. Aucun problème sur la qualité des highlighters Essence. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été déçue. Ça, je le range également. Par contre, celui-ci, c'est un de chez Max & More. C'est un highlighter stick. C'est la teinte Gold Flash. Donc, c'est celui-ci. Lui, je lui donne sa dernière chance ce mois-ci. Voilà, il reste ça. C'est une teinte dorée. Oui, dorée. Mais le souci, c'est que soit au stippling brush. Donc, stippling brush, ceux qui ne connaissent pas. Où es-tu? Bon, j'en ai un plus petit qui est au lavage. C'est ça, en fait. C'est un duo fibre comme ceci. Au stippling brush, il se prélève pas si bien que ça. Après, on peut le faire à l'éponge. Mais voilà, il faut bien y aller pour en prélever. Et si on le pose au stick comme ça déplace. Donc, et au doigt, c'est même pas la peine. J'aime pas le travailler au doigt. Non, ça marque pas au doigt. Je lui laisse encore une dernière chance ce mois-ci. S'il ne me convient plus à moi, je donnerai sur certainement à Morgane. Morgane ne met pas de fond de teint, donc ça peut certainement lui convenir. Voilà. Mais c'est plus. C'était les tout premiers qu'ils avaient sorti. Hein, mais c'est plus du tout ma came. Je pense qu'on a fini avec le teint pour le Project Pan d'avant. Hein, et de la rotation et Project Pan. On n'est pas encore à ce que j'ai rajouté. Hein. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux yeux. On sortira au fur et à mesure. Pour les yeux, ça va être dans un désordre. J'ai toujours ce crayon, donc ça c'est un eyeshadow sticks. J'ai acheté ça croyant que c'était ça. Maintenant, je ne sais même plus si c'était ça qu'elle avait recommandé, Hélène LC, pour mettre dans la muqueuse supérieure. Ça fonctionne, hein. J'arrive au bout. Petit à petit, j'arrive au bout. Ça fonctionne bien. Maintenant, je rachèterai pas. C'est pas, c'est pas, c'est, voilà, c'est. Ensuite, il m'en manque un. Hein, Là. Toujours en crayon noir, j'ai sorti le Tarteist de chez Tarte. C'est celui-ci, c'est un mini que j'avais eu dans un coffret. Je l'aime bien, franchement, j'adore. Il en reste plus grand-chose. Hein. Il y a moyen de le finir le mois prochain. Je l'adore, je trouve qu'il marque bien. Il ne transfère pas trop sur la muqueuse inférieure. Pour moi, ça, c'est une petite bombe. Et c'est parce que j'en ai encore beaucoup, mais sinon, je ne le rachèterai rien. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Ça, c'est un pinceau qui n'a rien à faire là. J'ai fini, enfin, presque fini. Qui c'est? Ah, excusez-moi. Voilà, bon, désolé, c'est reparti, désolé. Oui, c'est vraiment pas le jour aujourd'hui, enfin bref. Donc ensuite, je vais vous parler de ce eyeliner. C'est de chez Rimmel London, c'est le Wonder Swipes. Donc ça se présente comme ceci. Bon, moi j'avais eu au moins 50%. En teinte Crave Me, c'est un violet avec des paillettes bleues. Du coup, ça fait des reflets bleus quand vous le mettez. J'adore cet eyeliner, franchement. J'adore la couleur qu'il donne. Vous ne voulez pas trop vous maquiller les yeux, mais vous voulez quand même un impact. Vous mettez, moi je vous dis comme moi je fais, hein. Je faisais mon teint et tout ça. Un petit peu d'highlighter sur toute ma paupière mobile et non mobile. Un coup d'eyeliner comme ça, mascara, le job est fait, même pas besoin de crayon dans les muqueuses, franchement nickel. Oui, je vais le racheter, il est pratiquement fini, il est pâteux, j'ai pas envie de le finir, mais bon voilà, c'est comme ça. Il faut à un moment ou à un autre finir certains produits, ou sinon ils périment de toute façon. Ça franchement, pour moi, c'est magnifique. Ouais, deux en un, liner, tout shadow, de traceur à ombre à paupières, donc vous pouvez même vous en servir comme ombre à paupières. Mais franchement, ça c'est une tuerie. Franchement, je rachèterais. Et j'ai vu qu'il y avait une teinte bronze. Elle me tente aussi. Donc oui,
franchement. J'avais eu ça chez Dior en Belgique, donc oui, ça je rachèterai. Et je vais le laisser dans mon project pan pour le finir, parce qu'un jour je vais le remettre, mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Toujours un eyeliner que j'ai utilisé ce mois-ci. C'est un de chez Sephora, un Color Block Liner. C'est un eyeliner feutre en teinte Beach Walk. Donc c'est celui-ci, la teinte est ici et c'est un pinceau comme ça. Tu saurais plus te dire. Un feutre, pinceau feutre. Il est bien, la teinte est pas mal. Pas assez opaque à mon goût, mais ça va, ça passe, c'est une belle teinte. Pareil, moi je fais souvent des eyeliners colorés. Quand j'ai pas envie de maquiller toute ma paupière, je fais ça. Et souvent en été, je fais ça. Je mets qu'un trait d'eyeliner parce que j'ai tellement chaud que moi ça dégouline après. Un trait d'eyeliner, hop, j'en ai pour toute ma journée. Je suis tranquille. Lui, il va aller dans mon tiroir, mais je le ressortirai sans problème. Mais je fais ça parce que j'entends la petite bille. Et c'est petit en plus de ça, ça prend pas de place. J'aime bien quand c'est des choses petites comme ça, surtout les eyeliners colorés quand c'est comme ça. Étant donné qu'on n'en met pas spécialement tous les jours, c'est pas comme le noir. Ça fait bien l'affaire. Oui, ça je recommande, je garde. Bon, il va aller dans mes tiroirs, mais je recommande. Ensuite, en eyeliner toujours, mon dernier que je suis en train de finir, il est où? Mon Sephora. Non, il n'est pas là. Il est où? Écoutez, j'ai mon Sephora que j'arrive pas à finir en plus. Que je ne trouve pas. Ça, c'est la nouveauté. Non, il n'a pas envie de sortir de sa cachette. Écoutez. Bon, oh, sinon j'ai un Sephora qui ne veut pas sortir de sa cachette, qui est en feutre. De toute façon, si vous allez voir mon project pan du mois de février, vous allez le voir parce qu'il est dedans. Décidément, lui, il ne veut jamais rester à côté de moi quand je fais une vidéo. Jamais. Bref, donc il y a lui que je dois finir, qui est très bien. La pointe en feutre commence à s'effilocher, mais il est très bien. Ensuite, celui-ci, le NYX, du coup, je ne l'ai même pas encore entamé. Je l'avais préparé pour moi quand mon Sephora était fini, et du coup, non. Et ensuite, il y a le Essence, qui pareil, si, lui, je l'ai déjà utilisé une fois. C'est un nouveau, c'est un backup. Non, je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, je l'ai sorti pour faire entre les deux. Moi, ces deux-là, je les aime bien. Celui-ci, c'est un backup que je rachète à chaque fois. C'est une tuerie. Il coûte 2 euros, je crois. C'est mon préféré. Il existe aussi en waterproof, mais celui-ci tient très bien la route. Rien à dire. Et pareil pour le NYX. Je l'avais déjà acheté une fois. Je l'ai super bien aimé. Pour moi, c'est une tuerie. Donc, ces deux-là, je les garde. Et ils sont dans mon project pan. Ensuite, j'avais Perfect Eyes and Makeup Primer. Donc ça, c'est un soin et une base de make-up. C'est de chez Lidl, c'est la marque Sien. Ça, j'ai pas trop aimé. En fait, la texture de mes paupières change quand je le mets. Elle s'assèche un petit peu. Donc du coup, je vais pas le garder. En même temps, il en reste pas grand-chose. Hein. Il reste que ça, la taille de mon doigt comme ça. Donc voilà. Il a fait son temps. Voilà. Mais ça, je rachèterai pas. Ma paupière a changé. Voilà. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, comme base à paupières, j'ai la Shadow Insurance de chez Too Faced. Beaucoup ne l'aiment pas parce qu'elle est grasse. Moi, ça ne me dérange pas. Je l'aime bien. Je trouve qu'elle fait bien son job. Il faut la mélanger hein, avant, sinon elle se déphase. Et il n'y en a presque plus. Hein, je ne pense pas. J'arrive à la fin. Attendez, on va voir ça. Oh, quand même encore un quart. Voilà, il reste encore tout ça. Ouais. Et non, moi je trouve pas qu'elle est transparente. Elle paraît teintée quand vous la mettez, mais quand vous l'estompez, elle est transparente. Excusez-moi des enfants, mais j'ai des enfants, ça crie. Hein. Mais elle est transparente. Pour moi, elle reste pas grasse sur la paupière. Voilà, j'ai aucun problème avec elle. Voilà. Donc, je sais par exemple que Univers Nidhi ne l'aime pas. Voilà. Chacun ses goûts, hein, chacun son ressenti, voilà. Donc celle-là, elle est dans mon project pan, je la garde. Ensuite, en base, il y a la Cut Crease Canva de chez Makeup Revolution. Bon, moi, le packaging, les écritures s'en vont. Hein. J'ai pris la blanche, c'est pour moi quand je fais mes semi-cut crease ou mes cut crease pour donner un impact plus intense. Très bien, ça fait bien son job. C'est pas le truc que je préfère parmi. C'est pas. En fait, le packaging n'est pas pratique. Déjà, vous en foutez partout, il y en a partout. Et le pinceau est loin d'être pratique parce que vous avez un pinceau intégré. Hop. Non, je ne vais pas l'avoir.
Vous avez un pinceau intégré comme ça, mais moi je m'en sers pas, je le pose sur ma main et ensuite je fais mon cut crease ou semi-cut crease. Et puis je vous dis, enfin ça en fout partout, ça fait dégueulasse. Le packaging pas pratique, le produit fait bien son travail. Regardez, il y en a partout sur le rebord, c'est dégueu. Mais le produit fait bien son boulot. Non, c'est un bon produit. Je cherche une lingette, je ferai ça après. C'est un bon produit que je garde dans mon Project Pine, il ne me dérange pas. Sauf le packaging, mais je vous dis, ça n'empêche pas de l'utiliser tant qu'il ne dégueulasse pas toute ma maison. Voilà. Je peux vous le conseiller, ça coûte pas très cher, mais bon, après, une base, n'importe. Enfin, un concealer fait très bien l'affaire. Hein. Voilà. C'est pas un indispensable. Ensuite, pour les sourcils. Alors, j'avais ce crayon de chez Essence, c'est le Super Last 24 heures en teinte Dark Brown. Voilà, c'est celui-ci. Alors, lui, une cata. De toute façon, j'ai arrêté de l'utiliser. Il est trop sec, bon, il en reste encore beaucoup hein, mais il est beaucoup trop sec. Il me faisait des pâtés dans les sourcils. La teinte dark brown, elle tourne vers le un peu rouge, on dirait qu'il y a un sous-ton rouge dedans, j'aime pas. J'arrive pas à l'utiliser, en plus de ça il s'est cassé. J'arrive pas à l'utiliser, il s'estompe pas bien, il fait des petits morceaux quand vous passez la brossette, la brosse à sourcils dedans, il fait des petits morceaux. Non, franchement, c'est pas du tout ce que j'aime bien. Donc ça, du coup, ça s'en va à la poubelle. C'est vraiment pas un top, c'est vraiment un gros flop. Et ensuite, on a le Make Me Brow, donc c'est un gel mascara avec des fibres dedans. Pareil, je l'ai pris en Chocolatey Brows. C'est la teinte numéro 5. Elle est un peu claire, je trouve. Attendez, j'essaye de vous faire un petit swatch. Je trouve qu'elle est un peu claire, mais bon voilà. Après, j'en utilise pas des masses, hein. Je fais vite fait comme ça pour dire de brosser un petit peu et de fixer un petit peu. Mais bon, ça, c'est pas terrible, terrible. J'en rachèterai pas de ça, vous voyez. C'est pas mon truc. Je commence à me mettre un petit peu dans les sourcils. Hein. Et ensuite, on a le pot de Eyebrow Gel, comme ça, le Color and Shape, en teinte 1. En teinte 1, la brown. Lui, je commence. Mais pareil, c'est une pommade. J'arrive un peu mieux à le travailler que le crayon. Mais je sais pas. Après, je suis pas une experte des sourcils. Je suis peut-être plus à l'aise avec un crayon. Mais bien sûr, c'est une têtue. Elle utilise encore de la crème. Et bien sûr, elle a acheté pour faire du poil à poil. Mais bon, ça, ces deux produits-là, ça reste dans le Project Pan. Ça, je sais pas jusque quand. On verra bien. Et ça, certainement, jusqu'à ce que je le finisse ou quand je m'en lasserai, ben, je le rangerai. Donc ça, je garde. Pour ce mois-ci aussi. Après, j'ai tous les mascaras que j'avais mis. J'en avais mis pas mal. Déjà, j'ai la base de mascara de chez Creutzvat. C'est la Curl Booster Lash Primer Color Intensifying. Donc, il est censé intensifier la couleur. Et c'est un primer pour... booster la courbure. Il n'a rien fait de tout ça. Ça et rien, ça fait rien. Voilà. Non, franchement, c'est pas du tout terrible. Non, franchement, non. C'est une couleur bleu marine, comme ça, qui donne du bleu marine sur les cils. J'ai pas trouvé que ça courbait les cils. Non, franchement, ça je l'enlève, je le mets même à la poubelle. Il sert à rien. Franchement, il sert à rien. J'ai le Essence qui fait beaucoup mieux le job. Celui-ci, franchement, c'est pas... Non, non, non. Je vous le déconseille. Je crois qu'il était 4 ou 5 euros. Celui d'essence fait beaucoup mieux le job. Je crois même qu'il est un peu moins cher. Non, franchement, passez votre chemin. Mais vraiment, hein, c'est pas... Après, essayez, hein, si... mais moi, je vous le conseille pas. Pour moi, c'est un... Passe ton chemin, tu seras mieux sans. Intensifie le noir de chaque mascara. Soigne les cils. Bof. Bof. Non, franchement, poubelle. Un vrai flop. Je vais peut-être faire un top et flop, je vais garder au fur et à mesure. Enfin bref. Ensuite, en mascara, pas de base, hein, mais un mascara tout simple. J'ai fini le Better Than Sex de chez Too Faced. Je l'ai fini parce qu'il commence à tellement sécher qu'il me fait des petits dépôts en bas. Il a fait son temps, c'est moi j'aime bien. La brosse, je l'aime bien, c'est une brosse comme ceci. Moi je trouve qu'il fait son job. Et encore une fois, je ne peux pas faire mes vidéos tranquilles. Je ne vais jamais finir cette vidéo. Excusez-moi, hein, je suis vraiment désolée. Mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà, moi, je n'ai aucun souci avec le Better Than Sex. Pour moi, c'est un très bon mascara. J'en ai encore des mini comme ça, donc je ne vais pas le racheter maintenant. On m'a dit que le Dame Girl était à peu près pareil. Donc, je l'ai aussi en mini, donc je testerai.
Et oui, ça, je rachèterai sans problème. Ensuite, chez Essence, j'ai un interminable, mais vraiment un interminable, lui. Après le Better Than Sex, je n'ai utilisé quasiment que lui. Je crois qu'il n'y a que le Big Ego que j'ai utilisé deux fois. Il ne se termine pas, mais il est très bien. C'est un Essence, c'est le Lash Princess. C'est le violet. Voilà, si vous pouvez pas vous tromper, c'est un packaging violet comme ça. Déjà, le packaging, j'aime bien parce que c'est un effet corsé, comme ça, j'aime bien. Bon, c'est un détail, mais moi, j'aime bien. Il courbe bien, moi, je trouve qu'il tient très bien. Il courbe bien, il tient bien. C'est un bon mascara pour moi. Le prix, pour moi, c'est un bon mascara. C'est tout, c'est comme ça. C'est tout, j'ai rien à vous dire de plus dessus, c'est tout. Ensuite, du coup, il y a le Big Ego de chez Tarte que j'avais eu également en mini dans un coffret. Pareil, je le trouve très bien. Un petit peu comme le Better Than Sex, en même temps, il y a la même brosse. Je trouve qu'il tient les mêmes promesses que le Better Than Sex, un petit peu de volume. Ça se travaille bien. Moi, j'aime bien. Le produit se travaille très bien. Voilà, j'ai rien à dire de particulier. Après, je suis pas la meilleure pour décrire les mascaras. Le Big Ego, je ne l'ai pas du tout utilisé pendant ce mois-ci, mais il reste dans mon Project Pan. C'est le Go Big or Go Home de chez Kat Von D. Il reste dans mon Project Pan pour moi le continuer. Ensuite, j'ai utilisé aussi un petit peu, donc je n'ai pas utilisé que celui-ci, mais j'ai utilisé aussi le You Better Rock de chez Essence. J'ai utilisé parce qu'il était waterproof et quand je m'en allais longtemps avec le masque, c'est waterproof, c'est très bien. Pareil, lui, il fait son job, franchement, j'aime bien. Les mascaras à essence, et j'aime bien les trois quarts des mascaras à essence, donc voilà, très bien. Et pareil, le Bagdell Bang, je ne l'ai pas utilisé ce mois-ci, donc je ne peux rien vous dire dessus, mais tout ça, ça reste dans mon Project Pan de l'année. Il faut que je les finisse. Et en soin pour les lèvres, ce que j'ai rajouté en cours de route, ce sont les deux Lanolips, donc c'est... un baume teinté, donc celui-ci c'est un baume teinté hydratant nourrissant 99% naturel et c'était une gamme de Noël, bon, pareil pour l'autre, hein, j'avais eu ça lors des soldes, et aussi un baume teinté mais luminant, luminisation qui marque, c'est le Desert Glow, voilà. Celui-ci a un goût horrible et celui-ci n'a pas de goût et plus teint, ben, il y a vraiment cette teinte-là et celui-ci a vraiment cette teinte-ci, voilà. Ces deux-là. Ça, c'est mes soins de tous les jours et que je peux mettre aussi en tant que rouge à lèvres dans la journée. C'est pas dérangeant. Ça, c'est ce que j'ai utilisé et ce qui. Je vous ai montré aussi ce qui reste. Maintenant, je remplace. Pas beaucoup de produits. À la place du Wet n Wild, je mets de chez Essence le Bronzed This Way. C'est un bronzer mat. C'est la teinte Roaring Sun. C'est la numéro 2. C'est ceci que j'ai sur moi aujourd'hui. Donc voilà, c'est celui-ci. C'est grand, hein? C'est très grand. Mais il est très beau. Il est légèrement orangé. Vous voyez, il est légèrement orangé. C'est chaud, c'est d'une teinte chaude et c'est ce que j'aime mettre quand il arrive le printemps, le soleil quand il arrive, voilà, c'est les teintes que j'aime bien mettre. En blush, j'ai sorti celui de chez Max & More, c'est celui que j'ai sur moi aujourd'hui. C'est un blush powder satin en teinte pink sand, donc vous voyez qu'il est déjà un petit peu creusé, voilà. Il est très très poudreux mais très très pigmenté, donc faites attention. Très petit prix, très bonne qualité. Rien à dire, il s'estompe très bien, il a un bel impact, rien à dire. Et ensuite, en tant que blush highlighter, moi je fais ça, ils disent que c'est un highlighter, mais moi je pense plus que c'est un, pour moi c'est un blush highlighter. De chez I Heart Revolution, j'ai le Dragon's Heart, donc c'est celui-ci. Alors ça c'est des interminables, bon bien sûr moi il s'est décollé. Hein. Ça c'est des interminables, pour moi ils se creusent jamais, je sais pas, ils se creusent jamais. Donc voilà, je mets ça en blush highlighter. Ça donne un effet bonne mine. Il y a des jours, je ne mets que ça. Même pas de bronzer, même pas d'highlighter. Je ne mets que celui-ci. Hop, effet bonne mine. Et c'est parfait. Et j'ai sorti un highlighter. C'est un highlighter cuit. Oui, triple illuminateur cuit.
Donc voilà, il est comme ceci. C'est un légèrement rosé. C'est celui que j'ai aujourd'hui sur moi. Il est un petit peu rosé. Il est très beau. Je trouve que pour les jours qui arrivent, c'est très bien. Et c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Oui, je garde beaucoup de choses dans mon Project Pan. Je ne fais pas une grosse rotation. Tout ce qui est pour les fards à paupières, étant donné que j'ai beaucoup de choses à tester, j'évite maintenant de faire ça. Mais du coup, j'essaye de faire une vidéo make-up tous les mardis. Mais aujourd'hui, c'est celle-ci qui remplace. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu, vous, ce que vous avez dans vos Project Pan et dans vos rotations make-up. J'aimerais bien savoir, ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi d'avoir les avis sur ces produits. Au moins, comme ça, on a un ressenti. Si cette vidéo... Si... Je vous jure que... C'est indépendant de ma volonté, mes bafouilles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me mettre du coup un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous êtes le ou la bienvenue chez moi. Je vous accueille avec plaisir, avec le sourire, la joie, la bonne humeur. Mes bêtises. Et voilà. Et je vous dis à la prochaine vidéo tout le monde. Bye!